Tout le monde ici, Concorax, au rapport. Je sors des cours. Je suis KO là parce que contrôle de gestion. Et il est midi, donc je vais faire les soldes un peu tard. Je suis dégoûté, je voulais les faire le matin. Mais bon, on peut pas rater un cours comme ça. C'est important. Et du coup, là, on va aller au premier Micromania de la gare Saint-Charles. Je suis à côté. Et je vais aller voir un petit peu s'il y a des petites choses. Allez, on y va, les amis. Espérons. Il y avait juste le code NameSim à 9€. Peut-être que je le prendrai, on verra. Franchement, si je trouve rien aujourd'hui, ça peut être cool. Allez, direction le métro, on va aller dans les magasins maintenant. Après-midi, solde. Et on y va, c'est parti, je suis chaud. La radio, tais-toi, baisse le son. J'y vais, je suis chaud. Il est 13h, bon, il y a déjà eu plein de monde qui sont passés, hein, comme j'ai eu des échos, etc. Mais qui sait, pour une caméra, peut-être je peux trouver quelque chose de sympa. Donc on va voir, les amis. Bon, let's go. Commencer avec Auchan. Donc on y va, les amis. Bon, on y va, c'est parti, on démarre. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Vendeur, il n'y a rien du tout en rayon jeux vidéo, il m'a dit pour le moment. Donc moi ça s'est fait de stylé dans votre magasin. On va voir les caméras comme on sait jamais pour la chaîne. Déçu de chez Auchan, d'habitude ils ont des super soldes, mais là franchement c'est de la merde. Voilà, clairement là c'était pourri. Allez, on change, let's go. Il n'y a aucune place, mais c'est un truc de malade. J'ai jamais vu ça. Fuck. Putain. Ça sent vraiment le caca fini là. Là c'est. Y'a rien du tout, c'est. Je viens de trouver une place. Ouf. Allez, on va voir dans les magasins maintenant, on va voir. Go go go. Metal Jeans. Regardez, je vous donne un petit exemple. Ça, ça fait plaisir. Un vestiment d'Amour 70. Donc, c'est dans mon panier là. Il y a un panier bien garni là. Mais je prendrai pas tout là. Je suis en train de trier. Donc, voilà, voilà. Loin de chez moi en express après le cours et après la vidéo, je vous fais la vidéo, donc c'est vraiment frais là. Allez, go! Je vous sors au gros couille, comme on dit, de ce solde à Leclerc, mais bon, ça va, franchement, content quand même de la Fnac. Et bon, il n'y a pas énormément de gens en quantité, mais vous allez voir, c'est du sympa. Et j'ai pas eu pour cher en tout, à peu près 26€. Allez, j'ai hâte de vous faire la vidéo maintenant, je rentre chez moi, on va la monter. Bye.
Ah mes amis beaux, je suis trop content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et ce petit bilan des soldes. En effet, j'ai vraiment fait un casse dans un magasin, puisqu'il y a un magasin où la personne, le vendeur, m'a sorti le bac devant moi qu'il n'avait pas encore mis alors que c'était après les cours vers midi, parce que j'ai pas pu aller le matin directement malheureusement. Et là franchement j'ai eu un coup de bol, il me sort les bacs devant moi et j'ai pu tranquillement fouiller, etc. Comme vous avez pu voir dans le live d'ailleurs, puisque j'ai filmé les bacs et j'ai filmé également quand j'étais assis tranquillement en train de trier le jeu qui m'intéressait ou pas. Donc c'est vraiment top. Et je suis ressorti avec 5 objets en tout. En tout il y a 5 objets. Et je crois qu'il y a un jeu en plus que j'ai pris à Micromania. Et ce jeu là je pense que vous pouvez savoir lequel c'est, puisque il est sorti dans plusieurs bilans de soldes sur Facebook ou sur internet, notamment avec le Kirby 54 qu'il a trouvé également à Micromania. Donc en tout cas on terminera avec ça. Et on va commencer tout de suite avec une première chose: le guide Watch Dogs à moins 80%, et il était à l'origine à 9,99€. Donc il m'est revenu à peu près 3€ on va dire. Donc je suis pas passé à côté, c'est le dernier qui reste dans le bac. Et je me suis dit ça pourrait être super cool. J'aime bien collectionner les guides comme ça. Et il m'a l'air bien bien épais en plus. Donc au top. Je continue ensuite avec les fameux jeux de la Fnac qui sont tous ici. Et vous avez pu voir sur mon Facebook la photo où je poste un peu comme ça, et il y a ces fameux jeux dans ce sachet, puisque je suis rentré au Carrefour après mais j'ai rien trouvé. Vous savez qu'ils vous mettent des sachets plastiques là, comme ça. Donc effectivement, il y en a qui ont eu raison, il y a du 3DS, de la DS et de la Xbox 360. Et je commence tout de suite avec une super offre. Alors là, la personne m'a enlevé les étiquettes en fait, mais je vais vous dire un petit peu ce qu'il y avait, puisqu'ils ne les avaient pas encore étiquetés dans l'ordinateur, puisque je les ai pris dans le bac directement. Donc à 19,99€, le Naruto Shippuden, il était à moins 80%, il m'est revenu à peu près 4€, enfin voilà, donc 4€, 4-5€ maximum pour le Naruto. Je suis super content de le rentrer, celui-ci. Ensuite, un jeu que je n'avais pas, et une série que j'adore, et je ne l'ai pas fait celui-là encore, et ouais, honte à moi alors que j'avais adoré le 13-2. Et le 13, il s'agit du Final Fantasy Lightning Returns. C'est dommage qu'il m'a enlevé les pastilles. En gros, il était à 19,90€ celui-là, et moins 70%, ce qui m'est revenu à peu près 5€, quoi, 4€, 4-5€. Enfin voilà, c'est vraiment une très bonne affaire. 9, je l'ai pris et je le garde de côté en attendant qu'il soit compatible avec la rétrocompatibilité sur la Xbox One, je l'espère. Ah, ensuite, là c'est une super affaire également, un jeu, nouveau jeu 3DS. Il s'agit du One Piece Unlimited World qui est ici. C'est la version Red apparemment. Alors à la base elle était à 19,90€ comme vous pouvez voir là, et il était à moins 80%. Il est revenu je crois à 3€ celui-là, c'est un truc de malade, je peux pas laisser passer. Franchement je suis trop trop content de pouvoir le rentrer et je vais pouvoir bien le tâter. Franchement à ce prix là c'est incroyable. Et là ma plus belle affaire, vraiment le top, et j'en ai parlé un petit peu à des potes autour de moi, ils m'ont dit que c'était une super affaire, c'était le seul qu'il y avait dans le bac malheureusement, j'aurais voulu le prendre pour des échanges ou quoi que ce soit, mais celui-là je vais le garder précieusement. Il s'agit du Etrian Odyssey qu'on peut voir ici. À la base il était à 39,99€, moins 80%, oui je vous jure, moins 80%, que j'avais pris d'avant quand il y avait les pastilles en fait, hein, mais vous avez pu le voir dans la caisse de toute façon dans les vidéos live. Donc le Etrian Odyssey RPG d'Atlus, franchement je suis trop content de pouvoir le rentrer celui-là. Et bon à ce prix là ça doit faire quoi, du 7€, j'ai payé 6-7€, c'est top, 9 comme ça c'est top, il était là, il traînait dans le petit bac. Et enfin je termine avec le jeu Micromania qui est ici, et je pense que vous le savez déjà mais je l'ai pris parce qu'à ce prix là je me suis dit c'est top. Hop là, il s'agit du Codenames Team que voici. Et on peut mettre en plus les amiibo de Fire Emblem, ça tombe bien. Vous savez que j'ai pas mal d'amiibo qui sont là-bas, mais on les voit pas trop, hein, bien entendu. Le collectionneur amiibo, d'ailleurs, je vais vous faire un update, hein, parce que c'est vachement demandé, de 2016 avec tous mes amiibo. Il n'y a pas de souci, elle va arriver très rapidement cette vidéo. Et voilà, le Codenames Team que j'ai eu à 9,99€, comme on a pu vous le dire dans plusieurs lives, plusieurs retours, donc très content de rentrer le Codenames Team. En tout, en fait, si vous voulez, à la Fnac, je m'en suis sorti, alors il y a le guide qui est là, pour 26€, donc franchement, pour tous les jeux et tout, 26€, c'est waouh, 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 26,90€, un truc comme ça, et le Codenames Team qui a coûté à peu près 10€, donc voilà, ça nous fait un total de 36€ pour tous ces jeux. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'espère que ce petit live solde vous aura plu. Malheureusement, j'avais plus de batterie, donc j'ai dû couper en courant à la Fnac, hein. C'était un peu la merde, mais bon, au final, j'ai rien trouvé d'autre à part à Micromania, donc ouf, tout va bien.
En tout cas, n'hésitez pas à me rejoindre dans les live Twitch, ça serait super les amis qui s'affichent ici. N'hésitez pas à rejoindre la page Facebook bien entendu, la page Twitter également, vous pouvez la rejoindre, c'est super cool, à m'ajouter sur Snapchat, Conquerax, pourquoi pas, je poste des petites choses. Et puis en tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, moi j'ai kiffé vous la faire comme d'habitude, et j'espère que je la sors rapidement parce que voilà, je prétis d'avoir vos retours soldes. Allez, je vous fais de très très grosses bisous mes amis beaux, et je vous dis à la prochaine vidéo live. Bye tout le monde, ciao ciao.